Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Gijzemans. On peut uh, commencer. Donc d'abord je vais te présenter. Bonjour Michael. Bonjour Stein. Euh, je suis content que tu es venu ici jusqu'à ici. Merci à toi. <laughs> euh, donc au niveau d'introduction, c'est ce que j'avais euh, mis. Michel est un des cofondateurs de euh, Biodiversity et euh, CEO, une entreprise qui utilise des habits comme capteurs IoT pour mesurer la pollution. Et Michel a eu une formation euh, comme avocat. Et euh, aujourd'hui, on va parler euh, de du biodiversité. Donc je suis euh, très curieux. En fait, euh, je veux bien commencer avec euh, un quote. Euh, je ne sais pas s'il vient vraiment euh, de cette personne. Si les abeilles disparaissent, disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre ans, quatre années à vivre. Einstein, apparemment. Mmh. Oui, ouais, ce qu'il faut en fait. mais. <laughs> Donc, ce pas lui qui l'a dit. Euh, apparemment, ça vient d'une un, personne qui voulait euh, faire parler de la problématique des abeilles euh, lors d'une grosse conférence euh, au niveau du Parlement européen, je pense, et qui donc est venu avec cette pancarte. Et depuis lors, ce quote est repris, et repris, et repris. Et tant mieux, parce que quelque part, euh, euh, voilà ça, ça fait parler de la problématique. Mais d'après mes infos, c'est pas Einstein qui l'a dit. mais ouais. Et en fait, euh, à la base. Euh, c'est quoi la problématique en fait Alors la problématique elle est multiple. Euh, donc la problématique que, que nous on essaie de toucher c'est la, la disparition de la biodiversité de manière large et donc les abeilles sont comprises dedans euh, et donc elle a de multiples causes Et si on prend juste par exemple la problématique de l'abeille euh, où on voit une, une perte par exemple si on prend les colonies d'abeilles comme étant un moniteur, un, un indicateur, une perte de 30% par an en moyenne, et on se rend compte que c'est dû à différents facteurs. Au manque de biodiversité et donc d'alimentation pour ces abeilles, euh, donc dû à une agriculture intensive, à une urbanisation, etc. La pollution, l'activité humaine de manière générale et, et les maladies. Et donc il y a l'ensemble de ces facteurs qui ont un impact sur les abeilles, mais sur l'ensemble des espèces, en ce compris nous, et on ouais. l'oublie parfois. Oui, donc back to basics, quand j'ai préparé un petit peu euh, cette émission, euh, je me demandais donc. Euh, Qu'est-ce que font les abeilles Pourquoi sont-ils en fait utiles Ok. Alors les abeilles, elles sont utiles surtout pour la pollinisation. Donc elles font pas que du miel. Ouais. Euh, en fait, elles pollinisent et donc en pollinisant, elles permettent en fait de féconder les, les, les plantes, enfin les fleurs. Et donc elles permettent de, ben de 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 faire régénérer quelque part cette diversité des espèces et des plantes et qui vont donner par après des fruits et de l'alimentation, ou des légumes et de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, plus ou moins 30% de ce qu'on mange euh, dépend de la pollinisation, et 84% des cultures euh, dépendent de la pollinisation. Donc l'impact sur ces aspects-là, notre alimentation par exemple, est très important. Mmh, mmh. Et j'ai aussi compris qu'il y a une différence entre des abeilles euh, domestiquées et des abeilles euh, sauvages. Ouais, tout à fait. Est-ce est qu'on peut le voir en fait la différence Alors, Oui, 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 il y a, il y a une différence. Donc, il, y a, il y a plus de 300, par exemple en Belgique, il y a plus de 300 euh, différents types d'abeilles euh, sauvages, mais il n'y a, a qu'une abeille euh, domestique. Euh, et donc, vous voyez la différence, chaque abeille est différente. Alors, ce n'est pas évident, moi je ne suis, je suis pas euh, ingénieur agronome à la base, et donc je, je, c'est plus difficile pour moi. Euh, mais il y a une différence. Et il y a une différence aussi dans le comportement, dans... Euh, l'impact aussi en termes de pollinisation et, et, et d'autres aspects oui, tout à fait um, et la question que tout le monde vous posait c'est quoi la mission à la fin, à, ou à la base de biodiversity alors la, la mission c'est vraiment de régénérer la biodiversité ouais. et donc c'est d'engager euh, toutes les parties prenantes euh, dans dans cet aspect là et on s'est rendu compte que pour ce faire, il faut prouver que la biodiversité crée de la valeur. Et donc les gens ont tendance à oublier qu'en fait la nature crée de la valeur. Et donc les entreprises, généralement, ont tendance à puiser sur les ressources pour générer une valeur. Mais donc en, se en faisant ça, ouais. elles abîment la bio biodiversité. Et donc nous, on essaye vraiment de leur montrer qu'en régénérant cette biodiversité, ils peuvent aussi créer de la valeur. Ouais. C'est ça. Donc on essaye principalement aujourd'hui d'essayer d'aider des, entre des entreprises et des euh, entités publiques à intégrer cette notion de biodiversité dans leurs activités pour créer cette valeur. Ouais. Et donc j'ai compris que vous avez euh, développé une module ou ou un offre qui s'appelle le bio monitoring. Et en fait, je vais mettre quelque chose sur l'écran. C'est ce que j'ai trouvé. Ouais. Euh, C'est une. Euh, je vais le montrer. C'est une. Euh, je dirais une une explication de ce que bio ce que le le, 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 le bio, c'est ce que, ce que vous faites ouais. Ouais. donc je suis très curieux de passer un petit peu par chaque étape hein, ouais, ouais. pour que tout le monde bien comprend parce que c'est quand même assez euh, euh, impressionnant comme concept euh, que vous avez euh, introduit ouais. Ouais, tout à fait en fait on s'est rendu compte donc mon associé a, a fait un doctorat sur la problématique de la disparition de l'abeille euh, et on s'est rendu compte que l'abeille pouvait être une solution à sa propre problématique. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en butinant, donc pour se nourrir, elle va visiter un ensemble de plantes. Donc, elles vont jusqu'à un moyenne un km 5 pour se nourrir. Et elles vont visiter des milliards de fleurs. Et elles prennent en fait du pollen et du nectar de ces fleurs dont elles ont besoin de, pour se nourrir. Et elles ramènent en fait sur, sur elles ce pollen euh, qu'elles viennent stocker dans la colonie d'abeilles, dans la ruche. Et en fait, on s'est rendu compte que si on prend un peu de ce pollen euh, quotidiennement, le pollen, lui, fixe les polluants de l'air et en partie de la terre et contient l'ADN de la plante. Et donc, quand on analyse ce pollen, eh bien, on peut voir tout ce qu'il y a comme polluants, donc euh, des pesticides, des métaux lourds et un ensemble d'autres polluants, mais on peut aussi voir. Euh, le type d'espèces et de plantes qu'il y a à chaque période de l'année et quand il y a des carences en termes de biodiversité ou, ou des pics en termes de pollution. Et sur cette base-là, on a des indicateurs scientifiques sérieux pour pouvoir proposer des solutions beaucoup plus ciblées que ce qu'on pourrait euh, proposer sans cette solution. Et euh, comment est-ce que ça se fait d'analyser cet échantillon Alors, en fait, l'abeille est quelque part le drone qui va chercher l'échantillon. Ouais. L'échantillon, ensuite, il est analysé en laboratoire, donc il y a différentes techniques selon euh, ce qu'on veut analyser. Euh, et puis après, euh, nous, on a développé un logiciel qui permet de traiter ces données et d'interpréter euh, les données. Parce que c'est un peu comme si vous allez voir un médecin, euh, si un médecin vous fait une prise de sang, vous, a, vous avez des données brutes, mais il faut voir un médecin pour expliquer ces données et pour euh, proposer des solutions. Et donc, euh, nous, sur base des résultats euh, suite aux analyses, on va faire toute cette interprétation et proposer les, les mesures d'amélioration. Et est-ce que je l'ai bien compris que les abeilles, ils, ils, ont, ils couvrent une surface donc, un surface jusqu'à 1,5 km Oui, c'est ça. 1,5 km, ce qui fait 700 hectares. Donc, c'est des zones, elles, elles peuvent même aller jusqu'à 3 km. Euh, donc, c'est ça l'avantage aussi de l'outil, c'est que. Couvre une surface importante. Alors que normalement, si vous voulez faire un audit d'un site, mmh. en termes de biodiversité par exemple, ben, il faut que quelqu'un vienne sur place et regarde euh, quelles sont les espèces sur place. Donc c'est impossible de monitorer des zones aussi importantes. Et donc l'abeille en fait est, est le, le, le petit drone parfait en fait pour aller euh, collecter euh, des échantillons euh, et des milliards d'échantillons par an. Quoi. Ouais. Et euh, dépendant du, du grandeur du surface qu'on doit mon monitorer, on a besoin de plusieurs ruches à installer, euh, bien sûr. Alors nous, euh, pas tellement. En fait, on considère nous que sur une surface de 700 hectares, si on met deux ruches, c'est suffisant. Euh, et on en met deux plutôt pour des raisons de protocole, pour avoir suffisamment de, de pollen. Au cas où il y a une ruche qui a un problème, on a une deuxième et un ensemble d'autres éléments. Donc, on peut se limiter à deux ruches. Euh, et on a tendance à limiter aussi le nombre de ruches qu'on place sur les sites. Euh, pour ne pas en avoir trop non plus euh, dans l'environnement. L'exemple, euh, c'est ce que j'ai vu aussi sur euh, votre site web, euh, c'est euh, euh, la Knoc, au Mer du Nord. Euh, depuis des années, je pense que vous aidez euh, cette communauté. Euh, c'est assez intéressant euh, pour le voir. Comment est-ce que euh, vous êtes euh, devenu en contact en fait? avec eux et comment est-ce que vous êtes capable de les aider Alors la manière dont on est rentré en contact c'est une pure coïncidence euh, assez intéressante. On, on, on avait un projet chez Caméléon à Bruxelles et euh, une des amies du CEO de Caméléon était, euh, euh, faisait partie de la famille euh, du bourgmestre de, de Knock euh, et elle nous a dit bah, ça c'est une super idée et euh, ACNOC, ils veulent mettre en place un projet euh, lié aux abeilles et, et à la biodiversité. Et donc, on a été rencontrer l'équipe ACNOC. Et euh, voilà, ils ont été charmés par euh, l'expertise de, de mon associé, qui est quand même euh, assez reconnu et très intéressant sur le sujet. Et puis, on est venu avec un concept euh, assez innovant, euh, qui était aussi en lien avec leur activité touristique. Et donc, c'était de dire essayons de créer des parcours didactiques, touristiques aussi. Pour que les gens apprennent plus sur la biodiversité, sur le lien entre la biodiversité, notre alimentation et notre vie. Et donc, on a créé ces parcours touristiques et en même temps, on a placé des colonies d'abeilles euh, pour sensibiliser, mais aussi pour collecter ces échantillons. Et donc, il euh, enfin toute la, la ville de Knock et même aux alentours euh, est couverte par ces abeilles qui monitorent chaque année. Et depuis euh, maintenant 6-7 ans, ils prennent des mesures d'amélioration chaque année. Je pense que j'ai trouvé le parcours en fait. Ah ouais. donc, 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 donc il y a un parcours touristique oui. et euh, j'étais pas euh, cet été j'étais pas à Knok. Mais donc si on passe là-bas, euh, donc on peut se promener par des, ru des ruches qui sont installées. Euh, C'est pas dangereux euh. Non, non. Donc on a mis un système de protection où on peut aller voir la, la ruche à proximité sans, sans problème. Et il y a d'autres choses en fait. Ils ont replanté aussi à différents endroits où on a mis des panneaux didactiques pour expliquer. Le type de plantation, quel était l'impact sur l'agriculture locale, etc. Euh, il y a des hôtels à insectes, il y a, donc il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs parcours. Euh, il faut regarder sur le site de Knock et euh, je crois qu'à l'Office du tourisme, il y a aussi une carte. Ouais. Et il y a même un, il y a un questionnaire, il y a un petit jeu euh, voilà, en lien avec ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont. Euh, donc, quand on a commencé, ils étaient à un niveau plus ou moins euh, euh, moyen par rapport à tous les sites qu'on monitor. Et aujourd'hui, la ville de Knock est devenue le. Le site euh, sur toute l'année euh, qui a le plus d'espèces euh, différentes. Et donc, il y a eu un changement vraiment de l'écosystème local euh, grâce à ce projet. Et donc, euh, il a été reconnu plusieurs fois, Bayen de Stad van Vlanderen. Et voilà, donc, il y a eu beaucoup de mesures. Et ça, c'est chouette de travailler avec des clients aussi qui monitorent, mais qui aussi, après, mettent en place des mesures d'amélioration. Et, et là, c'est le cas. Il y a tout un projet aussi avec des agriculteurs pour limiter l'utilisation des pesticides. Il euh, y a même eu des choses qui ont été faites par rapport à des polluants. Euh, donc voilà, c'est très chouette comme projet. Oui, donc là, tu touches en fait le cœur du projet parce qu'imagine qu'on fait. Euh, euh, qu'on qu on capte, on va capter euh, le statut de l'environnement. Ça, c'est pas assez comme un docteur. On peut faire euh, une diagnose, mais après, on doit prendre des actions. Ouais. Et les acteurs que vous utilisez euh, au terrain, c'est. Donc d'abord, j'ai compris. Euh, la ville, mais aussi des agriculteurs. Oui, En fait, on essaye, sur chacun des projets, que le client soit une ville ou une entreprise, on essaye de partager les résultats à toutes les parties prenantes qui ont un impact. Donc à Knock, par exemple, il y a eu un gros effort qui a été réalisé avec les citoyens, et donc énormément de citoyens ont planté, par exemple, pour avoir de l'impact. Il y a la commune, évidemment, mais il y a aussi les agriculteurs qui ont de l'impact, euh, aussi bien sur la biodiversité que sur les, les, les produits utilisés il euh, y a les guides donc on a formé des guides euh, il voilà. y a les écoles euh, donc on a, et puis il y a les apiculteurs évidemment qui font partie du projet aussi donc on, à chaque fois on essaie vraiment d'intégrer toutes ces parties prenantes euh, pour que tout le monde euh, voilà, ait un impact ouais. c'est comme ça qu'on peut, euh, peut changer les choses et à Knock les, les chiffres montrent que vraiment en 2-3 ans ils ont, ils ont eu un impact extraordinaire donc c'est pas juste ça suffit pas juste de mettre les, les biomonitoring utile en place on doit aussi s'engager avec la communauté pour, pour que ça, ça a, en fait on a fait euh... oui alors le, dans certains cas le client peut déjà faire beaucoup lui-même et alors il ne mmh. faut pas nécessairement se dire que les mesures sont très complexes à mettre en place ouais. parfois il suffit de changer un peu la manière dont on gère un site euh, notamment ça permet des réductions de coûts même en gestion de site pour euh, avoir un impact sur la biodiversité et au niveau des polluants ce qui est très intéressant à voir c'est quand on montre les résultats, notamment auprès d'agriculteurs, ils nous disent souvent, en fait, nous, on est les premiers impactés et on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a, en fait, sur nos terres, sur l'environnement de manière générale. Et quand vous nous montrez les chiffres, eh bien, ça nous donne envie d'agir. Et en montrant ces chiffres, ils prennent eux-mêmes, en fait, des mesures. Euh, et puis, on leur donne un peu, de, évidemment, d'expertise pour améliorer les, les, les choses et pour leur donner des alternatives. Mais ça entraîne, en fait, une dynamique positive. Ouais. Et. Donc, parfois, les agriculteurs, ils doivent changer de type de pesticides ou changer euh, peut-être le temps dans lequel euh, ils, ils utilisent les pesticides. Euh, est-ce que vous êtes en fait un petit peu limité de l'Union européenne qui, qui dit, tiens, ça c'est euh, euh, obligé ou ça c'est pas obligé Donc, est-ce que les agriculteurs, ils suivent peut-être pas juste les... Les, la réglementation qui a eu euh, stipulée par l'Union européenne. Oui, donc bon, il y a surtout des interdictions d'utilisation de certains pesticides euh, que nous, on retrouve euh, parfois malgré tout. Euh, et puis euh, l'Union européenne n'interdit pas d'autres pesticides qu'on retrouve énormément, dont on parle très peu. Euh, donc les, les, je ne pense pas que les agriculteurs se disent, tiens, on va juste suivre la réglementation européenne. Je crois que les agriculteurs aujourd'hui, pour la plupart, euh, sont prêts à, à changer. Mais il faut se dire que durant des années, c'est ce qu'on leur a aussi inculqué. Euh, et donc l'agriculture, euh, et quand, quand vous avez appris l'agriculture il y a quelques années, c'est voilà, comme ça qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, il y a toute une, une mouvance pour différents types d'agriculture. Et je, je, je pense que cette dynamique se met en place et que les gens sont ouverts. Euh, à aller vers quelque chose de différent mais, mais bon, c'est de l'investissement donc il faut le faire pas à pas, euh, petit à petit et il y avait des alternatives qui sont aussi euh, financièrement euh, durables Est-ce que vous avez vu maintenant des autres euh, villes dans lesquelles vous avez installé ça avec un résultat euh, impressionnant peut-être que tu as eu des expériences ou tu as vécu des histoires euh, dans des autres villages ou des autres villes, ouais. comme Knok ouais. alors on a oui, il y a beaucoup de villes où, voilà, bon, il y, y en a beaucoup. Où les résultats sont un peu confidentiels, donc on, on peut pas tout dire. Euh, mais on a eu une expérience assez intéressante à Bruxelles, où on a nous-mêmes en fait financé avec des entreprises et nous un monitoring en 2016 pour faire un état des lieux. Euh, et donc on a été présenté cet état des lieux aux administrations locales, euh, qui n'avaient pas nécessairement toutes ces données. Donc je crois qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes pour elles. Mais qui étaient aussi mises face à, à des challenges que, qui étaient peut-être complexes à résoudre. Euh, donc, on a, on a senti aussi une sorte de résistance euh, et, et, et en même temps beaucoup d'intérêt. Donc, il y avait de la résistance de, des parties prenantes, mm -hmm. euh, que ce soit l'administration locale ou d'autres, hein. des apiculteurs aussi parfois, qui étaient un peu Oui, mais attendez, vous annoncez des chiffres qui sont mauvais en termes de polluants, est-ce que ça veut dire que notre miel est mauvais et tout C'est pas le cas. Donc, euh, il fallait expliquer tout ça. Mais c'était une belle expérience. Euh, je, ça, ça a généré des questions parlementaires et tout, donc c'était intéressant. Ah, de... quand même Oui, ouais, c'était intéressant. Il euh, y a une autre ville euh, voilà, bien connue où il euh, y a une, une entreprise bien connue euh, dans le recyclage qui, qui a voilà, un impact assez important en termes de pollution. Et donc, on a été monitoré aussi nous-mêmes euh, euh, à cet endroit-là pour voir des niveaux de polluants qui étaient vraiment très importants. Et donc on a été, on s'est dit, on va pas mettre ça dans la presse, que ça sert à rien de faire un buzz pour faire un buzz. On a été rencontrer cette entreprise qui nous a dit, on va, on va essayer de mettre des choses en place pour réduire, euh, réduire le niveau de pollution. Alors c'est sur du long terme, donc on va le refaire dans un an ou deux pour voir quel est le, quel est l'impact. Voilà. Donc au niveau d'approche euh, pour parler avec les entreprises, parfois vous êtes proactif, vous installez déjà des ruches au terrain sans que les, les chefs d'entreprise sont au courant. Alors, on l'a on a, on a, on a très peu fait. Oui. On l'a fait parfois euh, dans des cas où ça nous semblait vraiment oui. euh, important. Parce que euh, qu'on entendait dans la presse qu'il y avait quelque chose de particulier ou, ou que, ouais, ou qu'on on avait d'autres parties prenantes. Hein. En l'occurrence, là, c'est des, des citoyens locaux qui nous ont dit bah, tiens, on sent qu y a quelque chose qui va pas, il y a des enfants malades et tout. Est-ce que vous pouvez venir monitorer Et donc, là, on l'a on fait. Enfin, C'est nous qui avons financé le monitoring, ouais. mais on s'est dit voilà ça fait partie du projet aussi d'avoir de l'impact sociétal. Euh, on n'est pas pour euh, critiquer l'un ou l'autre. Nous on veut travailler avec tout le monde, mais de temps en temps voilà d'aller euh, euh, le faire nous-mêmes de manière proactive, euh, ça peut être positif aussi. Ouais. Et donc on a euh, les communautés, euh, les communes, euh, mais après il y a aussi des sites industriels que t as, t as, tu viens de parler. Ouais. Euh, je me demande. Imagine qu'on met des abeilles sur une site industriel, il n'y a rien pour manger. Oui. Donc, alors, euh, donc peut-être il y a, donc au niveau de l'approche, j'imagine qu'il y a quelque chose au niveau de préparation qu'on doit faire avant que oui. on les installe. Donc on fait toujours une étude de faisabilité pour s'assurer que évidemment les abeilles euh, euh, se portent bien. C'est quand même le but euh, du projet. Euh, donc, ça nous est arrivé de refuser des projets parce qu'on s'est dit, ok, l'abeille euh, n'aura pas, notamment plutôt dans les centres-villes, euh, n'aura pas assez d'alimentation. De, de, euh, et il y a d'autres sites où lesquels on a dit, bon, euh, très bien, on peut faire le projet, mais il faut, il faut planter de telle sorte à ce qu'il y ait une alimentation suffisante. Maintenant, il faut se dire que sur une, la distance couverte par les abeilles peut être relativement importante. Et donc, il euh, y a généralement suffisamment pour les abeilles et ce qu'on voit c'est que à travers les projets et les mesures mises en place c'est que notre taux en fait de perte de colonies d'abeilles est bien inférieur à la moyenne euh, donc ça veut dire que les gens agissent et que c'est un retour aussi pour les abeilles qui vivent dans un environnement plus favorable mmh. et avec ce, cet outil est-ce que vous êtes aussi capable de dire tiens euh, en moyen la qualité euh, de l'air euh, diminue ou, ou augmente parce que vous êtes vous avez déjà installé quand même pas mal euh, de, de de comment dire de le sites le, oui. le site, hein, voilà oui, fait. donc au niveau de l'agrégation est-ce que vous avez déjà fait euh, ce type d'analyse pour voir au niveau par, par exemple en Belgique oui alors on, on... On voit de fait, notamment sur les pesticides, on voit des tendances euh, assez importantes. Euh, on voit par exemple des saisons euh, durant lesquelles il y a des, des utilisations de pesticides spécifiques euh, liées à, par exemple, le mildiou ou des choses comme ça. Euh, cette année, par exemple, la première période, euh, c'est une période record en termes de nombre de pesticides et de niveau des pesticides utilisés. Donc, on voit vraiment des tendances, et puis certains pesticides dont on ne parle jamais, qui sont de plus en plus présents et de plus en plus importants. Euh, donc, oui, on a des résultats qui montrent quand même des tendances. Euh, sous la pollution, on voit aussi des pics euh, qu'on peut commencer à expliquer euh, selon la saisonnalité, les activités euh, des sortes de... on peut commencer à donner des, pollution... des, des signatures euh, de pollution par type d'industrie, des choses comme ça. Et puis en termes de biodiversité, on voit aussi euh, voilà des, des impacts de la météo où, où on peut commencer à, à dire bah, tiens sur tel type de site, il y aura tel type de, de carence en termes de biodiversité. Donc oui, avec toutes ces données, on peut commencer à, mm -hmm. à générer une donnée plus virtuelle. Qu'est-ce qui s'explique cette augmentation de de cette mois au niveau de de pollution Alors euh, des pesticides. Des surtout. pesticides, oui, Alors, surtout. Il a, on, on cherche encore les bonnes explications. Euh, les premières recherches, on euh, a pensé que les agriculteurs en fait euh, avaient pu euh, appliquer des produits en fin de saison dernière, mais ont eu des craintes que ce ne soit pas suffisant et ont réappliqué de manière assez importante en début de saison. Il y a une autre explication qu'on est en train de creuser euh, qui serait peut-être liée au Covid, euh, parce que les avions ne volant plus, euh, en fait, les avions auraient, donc on est en train de vérifier, mais des, des, des capteurs ou des. des, des euh, enfin, retransmettraient des données géographiques euh, qui permettraient aussi d'anticiper les choses au niveau agricole. Et donc, vu que ces avions ne volaient plus, il y avait un manque de données à ce niveau-là, et donc on aurait anticipé les choses en mettant plus de, de, de produits. Donc, on est en train d'essayer de comprendre. Il y a certainement un niveau météo, mais on est en train d'essayer de comprendre s'il n'y avait pas un, un manque de données aussi. Euh, liées à ce genre de facteurs. Il y a des avions qui volent pour donner des, des données aux actes. Alors, c'est des informations qu'on a reçues quand même de, de, okay. de gens, euh, voilà, c'est bien placé, mais qu'on est en train de valider. Donc, ouais, avant, ouais. De, avant de pouvoir dire que c'est vraiment la cause, on doit valider les choses. Ouais. J'ai compris que euh, les abeilles, ils peuvent être tombés malades aussi hein, à cause de d'un de, de mythe. De, la varose, oui. La, la varose, voilà. Ouais. Euh, et j'ai compris qu'il y a parfois une polémique entre des personnes qui disent oui, euh, on peut la traiter, ouais. soit on la traite pas. Et euh, ceux, qui disent, ceux qui disent que euh, tu, tu peux pas la traiter, ils disent ça parce que euh, euh, peut-être au niveau de, de du sélection naturelle, quand on la traite chaque année. Ben, euh, les abeilles euh, pauvres qui sont qui, qui 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 on doit continuer à toujours les traiter parce que sinon ils euh, ils il, il meurent donc est-ce que ça c'est un une type de discussion qui vive alors c'est des discussions toutes les discussions sur les techniques apicoles sont très passionnées euh, ouais, j'imagine donc c'est euh, voilà c'est complexe moi moi je ne suis pas apiculteur euh, mais Kim, donc mon associé, a quand même euh, euh, donc, euh, créé une cellule sur ces sujets à l'université de Jean Blou et a fait beaucoup d'études sur le sujet. Euh, et il semblerait que le, le fait de traiter est encore la seule manière aujourd'hui euh, de limiter euh, l'impact sur du long terme, je ne dis pas sur du court terme, mais sur du long terme ou du moyen terme de la Varoise. Le problème aujourd'hui, c'est que la Varoise, elle, a, elle touche quasi toutes les ruches en Europe. Euh, et donc euh, c'est vrai qu'il y a un débat euh, comme dans tout débat scientifique euh, voilà, on entend un peu de tout je pense que la, la tendance au niveau scientifique est toujours de dire euh, il faut le traiter ouais. en utilisant les bons produits et ça c'est important et les bonnes pratiques euh, voilà, et ça c'est pas toujours le cas donc il faut, il faut faire attention à ce niveau là Ok, Merci pour l'introduction c'est ce que Biomonitoring et Biodiversity fait, donc au niveau de et entreprise, vous êtes quand même euh, un entrepreneur, quand même. Hein. Donc, au niveau de l'histoire, comment est-ce que vous avez euh, rencontré Kim hein, Ça C'est votre cofondateur que tu viens de dire. Ouais. Ça a commencé quand Et, et comment, comment, en fait Ça a commencé en 2012. Euh, et donc, moi, je, je rentrais d'un long voyage. J'avais été euh, longuement euh, backpacké. Euh, et je suis rentré un peu perdu par rapport à ma vie professionnelle. Et je me suis dit, je vais euh, me lancer dans un, une espèce d'exécutif MBA. Euh, euh, et, et le premier jour, j'ai rencontré quelqu'un qui sortait du lot. Euh, parce qu'on a, on a quand même un peu tous les mêmes profils dans ce genre de MBA. Euh, euh, voilà, d'anciens avocat, ingénieur et commercial. Etc. Et, et lui venait là et était vraiment euh, différent. Et euh, donc un scientifique qui avait un projet en tête et qui voulait lancer un projet pour sauvegarder les abeilles. Euh, et au fur et à mesure des discussions, il a voulu lancer le, le projet, ça ne s'est pas mis euh, avec euh, d'autres investisseurs. Et au fur, au fur et à mesure de la discussion, on, on a lancé ce projet. Et au départ, c'était vraiment fort axé sur une amélioration euh, de la qualité de vie des abeilles, et donc travailler plutôt avec les apiculteurs. Et puis petit à petit, en fait, on a lancé ça en 2012. On s'est rendu compte qu'on aurait très peu d'impact avec le premier modèle. Et petit à petit, en fait, on est, on s'est réorienté vers d'autres modèles qui sont à un impact beaucoup plus important. Est-ce que vous avez vécu le stress d'un startup, c'est-à-dire oui, je dois avoir un product market fit, et peut-être je dois faire un, un pivot. Hein, donc, tu viens de parler d'avoir déjà un changement dans ton business model. Les, les premiers mois, les premières années, est-ce que tu as vécu un petit peu de stress au niveau de ça ou? Uh, oui, et je dirais même qu'on les vit encore euh, régulièrement. Euh, donc nous après, oui après six mois un an, on était euh, financièrement euh, en faillite. Euh, donc on n'avait euh, pas une activité rentable après six mois un an. On avait fait un beau fichier Excel, mais en, la réalité était toute différente quoi. Et donc on a eu plein de problèmes. C'était fort lié à de la vente de miel au début et réallouer une partie du chiffre d'affaires sur, sur des, des mesures d'impact. Et, et donc on s'est très vite en fait questionné. Dès qu'on a senti quand même que les choses tourneraient mal, on s'est vite questionné et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on a comme actif, quel est l'impact qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on peut en fait valoriser ces actifs d'une autre manière. Et donc on avait toutes ces colonies d'abeilles pour produire du miel et on, on, on a repensé en fait quelle était la finalité d'une colonie d'abeilles et là on s'est rendu compte en voyant plusieurs clients euh, qu'il y avait un réel besoin par rapport à, à ce biomonitoring dont on a parlé. C'est aussi un peu par, alors par coup de chance, où est-ce qu'on va chercher la chance euh, Mais le, le, la, le, le premier client, ça c'est rigolo, on était en train de parler de, avec Kim, on allait à, chez Spa, à Spa Monopole, donc on avait une heure et demie de route, et on parlait avec Kim de ses études et, et de son doctorat, et il m'expliquait en fait tout ce qu'il avait fait avec l'abeille, et tout, toutes ses recherches, et justement sur les polluants, tous ces aspects-là. Et quand on est arrivé chez Spa, c'était pour un tout autre projet. Euh, la personne, le responsable environnement de Spa, nous a expliqué tout ce qu'il faisait à Spa pour protéger les zones de captage. Et moi, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire, parce que vous faites ça depuis des dizaines d'années, mais personne ne le sait. Et il nous a dit, ben oui, le problème, c'est qu'on n'a aucun outil pour monitorer euh, ce qu'on fait. Et donc, en fait, on s'est dit, mais attends, qui vient me parler durant une heure et demie du fait qu'il contrôlait des choses comme ça Là, vous me dites qu'il y a un besoin. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs types d'entreprises. Et d'entités publiques qui voulaient justement avoir ce type de données. Et cette euh, pivot, je ne je sais pas si on peut dire ça euh, comme ça en français. Ouais, en oui, c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Transition, -ce, pivot. Euh, cette transition, est-ce que euh, tu as dû changer beaucoup au niveau de logistique, au niveau de go-to-market, au niveau de euh, logiciel euh... Oui, on a tout. On, a, on était sur un business plutôt B2C avec de la vente de miel euh, et on s'est dit, on, on fait une refonte complète en fait, du business model. Quoi. Euh, et heureusement, euh, j'ai un frère qui a un très bon réseau dans le, dans le, le marché du euh, RSE, CSR. Euh, et donc, on a pu aller voir des entreprises euh, qui nous ont suivis dans, dans ce nouveau euh, projet. Et donc, très vite, de fait, on a dû euh, se réorienter et investir pas mal ouais, dans, dans des logiciels, dans de l'expertise aussi. Euh, et encore aujourd'hui, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est d'aller plus loin, euh, d'innover, de créer d'autres choses. Et donc, en permanence, en fait, le business model change. Donc, je crois que sur 6, euh, 7 ans de vie, 8 euh, ans maintenant, on a changé trois fois le business model et on est en phase d'aller vers un business model encore un peu différent. Euh, au niveau de stratégie, au niveau de futur, pour le moment, est-ce que vous êtes, vous êtes en fait euh, rendable euh, sans avoir des fonds externes Oui. Donc, on a toujours euh, veillé à être très lean dans notre approche. Euh, et on, vu qu'on on a vraiment envie d'avoir de l'impact, on ne voulait pas avoir trop d'investisseurs enfin, ou pas d'investisseurs externes qui pourraient, euh, influencer la stratégie. Euh, donc, on a toujours été lean, on a toujours été rentable. Euh, Aujourd'hui, on est euh, 15 euh, et, euh, et la, la, la société est pérenne. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, on arrive à un moment où, enfin, euh, on, est, on est dans 6-7 pays en Europe, aux États-Unis, euh, voilà, avec des projets dans tous ces pays. Il mm -hmm. euh, y a un moment où on va avoir besoin d'investissement, notamment pour euh, voilà, les, les, les nouvelles étapes et les nouveaux produits qu'on veut, qu veut, qu veut lancer. Euh, tu dis que vous êtes maintenant avec 15 personnes. En fait, c'est quoi le type de profil qui travaillent chez Biodiversity, ouais. je me demande. Alors, c'est marrant parce que ça a toujours été, d'abord, des... la première chose, euh, ça doit être des, des personnes qui, euh, qui ont envie de ça et qui ont besoin de ça. Euh, donc, on a déjà engagé des personnes qui euh, avaient eu des difficultés de, de, de vie, mais qui euh, euh, voilà, avaient envie de, de vraiment se réorienter, de, de travailler dans ce genre de domaine. Et, et donc, on trouvait que la démarche était chouette et on les a engagés. Euh, donc, la première chose, c'est la démarche. Après, on s'est rendu compte qu'il faut aussi quand même euh, une certaine expertise. Euh, voilà, plus on rentre dans des choses complexes, plus il faut de l'expertise. Donc, on a de plus en plus d'ingénieurs de, agronomes, des bio-ingénieurs. Euh, on a des personnes qui savent faire du développement. Euh, on a des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est euh, développement IT, euh, un peu de programmation notamment. Euh, on a évidemment des apiculteurs. Euh, voilà on va rentrer plus dans du marketing donc on a, on a besoin des profils de tout, toute entreprise je dirais dans le secteur environnemental, mais avec une démarche d'impact et une volonté d'impact qui qui est euh, l'ADN voilà, de l'entreprise. Euh, Est-ce que tu as dû changer du mindset toi ensemble avec Kim, d'être un fondateur vers un manager C'est la ouais. question typique hein, c'est ce ouais. qu'on de demande quand on, quand on est en train de grandir avec une ouais. entreprise, ou est-ce que tu dis non, en fait, le, le type de travail, c'est ce que moi je fais, c'est ce que Kim fait, euh, c'est bien euh, structuré et, et c'est quand même stable Alors, c'est une bonne question. Euh, euh, moi, j'ai fait aussi, euh, avant du coaching euh, de, de management, tout ça. Donc, donc euh, voilà, on a mis en place et on essaye toujours d'améliorer une gouvernance plutôt euh, horizontale. Euh, pour que chacun soit un peu manager de son propre rôle au sein de l'entreprise. Euh, donc Kim a très fort un rôle de fondateur, créateur, inspirateur. Euh, moi, j'ai plus le rôle de, de gestionnaire. Mais tu as raison de dire que il voilà, y a un moment où euh, on sent qu'on reste des fondateurs, qu'on a envie de créer d'autres choses, et c'est pour ça qu'on est toujours sous l'innovation. Et que euh, je ne suis pas certain que le fondateur soit la bonne personne pour gérer une entreprise tout au long de sa vie donc il y aura il, y a, il y a déjà des réflexions pour se dire bah tiens comment on fait en sorte que l'équipe grandisse et que euh, petit à petit ils prennent de plus en plus notre euh, notre rôle euh, et que nous on puisse aller sur d'autres choses et créer d'autres choses et, et voilà donc c'est euh, des, des choses qui se font petit à petit est-ce que vous avez un advisory board avec des personnes euh, peut-être au niveau qui qui ont investi euh, faire un investissement ou peut-être des non euh... Investisseurs, ouais. au niveau d'un vrai avis. Ouais. Euh, et est-ce que vous êtes en train de, de les écouter ou euh, comment ça se passe ce type de dialogue Alors on a, Je crois que ça, c'est notre première erreur et qu'on qu continue de faire depuis huit ans c'est qu'on n'a pas d'advisory board. Euh, et je crois que c'est vraiment une erreur. On a la liste des personnes qu'on veut contacter et tout, mais pour une raison euh, incompréhensible, on on l'a pas encore mis en place. Euh, par contre ce qu'on a souvent eu c'est du coaching. Euh, donc on a énormément de gens qui nous ont aidés euh, et, et on adore se faire challenger et donc c'est plus des coachs qui ont joué selon les besoins ce rôle de challenge euh, qu'on a beaucoup écouté euh, voilà, mais, mais tu as raison de dire que on doit mettre en place un advisory board rapidement. Imagine que demain il y a 10 millions sur la table mmh. pour vous mmh. à dépenser. Comment est-ce que tu vas les dépenser Quels sont les types d'investissements que tu es en train de rêver maintenant pour grandir euh, alors, la boîte Alors, on, est, on a investi pas mal sur le, le numérique euh, parce qu'on se dit en fait, on pourrait rester comme ça parce qu'on adore ce qu'on fait. Euh, on adore nos clients, on a, on a un chouette impact. Mais on se dit, si on veut avoir un impact mondial, euh, il faut combiner en fait la nature et le digital et la technologie. Euh, pour que ce soit beaucoup plus scalable euh, et qu'on puisse être euh, dans d'autres pays beaucoup plus rapidement et, et voilà et donc j'investirai beaucoup euh, dans toutes les idées qu'on a euh, et qu'on peut pas réaliser parce que euh, voilà il nous manque du temps de l'investissement des gens euh, qui sont en lien entre vraiment cette combinaison nature technologie euh, il y a plein de choses à faire oui en fait euh, le, on n'a pas parlé du, du mot mais le artificial intelligence en, en général, ça c'est peut-être un game changer pour l'industrie. Donc peut-être ça peut donner des accélérations au niveau de monitorer ou analyser euh, les échantillons ou euh, voilà. Certainement, euh, certainement, je crois que l'intelligence art artificielle va, va faire évoluer les choses. Euh, et nous, on, on, on a investi dans cette direction-là. Euh, alors il faut être prudent euh, aussi, il faut s'assurer que ça rencontre un besoin de marché, que tout ça. mais c'est sûr que c'est un des axes euh, importants. Et puis il y a des axes plus techniques. Euh, pour donner un exemple, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, l'analyse de pollen était très complexe pour la biodiversité, il prenait beaucoup de temps parce qu'il y a très peu de labos qui le font correctement. Et donc on a développé une nouvelle méthodologie euh, liée à la lecture ADN euh, de ce pollen. Et on veut aller même plus loin et pouvoir lire l'ADN euh, d'autres espèces, enfin, d'autres échantillons euh, de, de, de la nature. Et donc, voilà, ça c'est toutes des innovations qui prennent du temps, qui, qui demandent pas mal d'argent, euh, et qui permettent de faire évoluer. Il euh, euh, y, y a quelques mois, on était à 3, 4, 5, parfois 6 mois pour obtenir des résultats. Donc c'est difficile de scaler euh, à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, en, en une semaine, on, a, on peut avoir tous les résultats. Donc c'est une énorme différence en termes de scalability. Euh, voilà donc c'est là dedans qu'on a investi aujourd'hui pour, pour essayer d'avoir cet impact mondial assez rapidement. Et as une collaboration avec quelques universités pour ça ou comment vous faites ça Alors on est on est évidemment très proche de l'université de Liège Jean Blou euh, parce que Kim historiquement en faisait partie. Euh, et donc on, on voilà et puis on a on a en interne tous des Enfin, on a des, des profils scientifiques et chercheurs. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Mais en l'occurrence, là, on travaille beaucoup avec l'université de Jean Blou. Euh, après, une des problématiques en Belgique, je trouve, pour ne pas faire partie de ce monde-là, c'est quand on travaille avec une université, c'est parfois un peu difficile de travailler avec d'autres. Euh, donc, euh, donc, voilà. On aimerait avoir d'autres ouvertures avec d'autres universités. Euh, mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, au sein de la même. Communauté, enfin, au niveau de la communauté francophone. Oui. On dit ça parfois, que chaque organisation, c'est une organisation digitale et les données, ça devient de plus en plus euh, important. Quelles sont les données que, que, que vous dites Donc, à, à quel moment est-ce que vous avez euh, euh, pensé, tiens, on a quand même des, des données qui sont pas, quand même intéressantes En fait, quand on voit toutes les décisions qui sont prises, euh, notamment pour prendre un sujet qui est quand même assez médiatique, euh, les pesticides. Euh, on se questionne souvent sur les décisions qui sont prises. Euh, et je, je crains que ces décisions soient prises sans avoir les bonnes données. Euh, et quand je vois les données qu'on a sous les pesticides, je ne crois pas que l'europe ou que les décisions politiques à quelque niveau que ce soit seraient les mêmes. Euh, au niveau de la biodiversité, c'est la même chose. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, euh, depuis un an, on se dit en fait, on a des données qui sont uniques euh, et qui pourraient vraiment faire changer jusqu'à un niveau politique assez important. Euh, et donc, voilà, c'est pour ça qu'on essaye de, de faire en sorte que ces données soient plus accessibles à travers du numérique, euh, notamment. Et est-ce qu'il y a aussi des ambitions, euh, direction Open Data, pour, pour aider, pour. Faire un open sourcing de, de votre donnée ou euh, est-ce que vous allez les garder quand même dans votre poche Parce que peut-être c'est aussi une, 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 une piste intéressante pour grandir euh, dans cette direction. Alors, euh, je ne sais pas si on va rendre toutes les données open source euh, parce que ça reste quand même notre, euh, mm -hmm. notre cœur de métier et mm -hmm. si on le fait, on n'aura peut-être plus, euh, plus la valeur ajoutée ou en tout cas la le côté unique, mais pourquoi pas euh, il, On, on s'est déjà dit, hein, pour avoir l'impact, est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose de plus open source et de, de peut-être donner des licences ou tout ce qu'on a développé que, qui aille plus vite Ce qui est certain, ce qu'on va donner, c'est plutôt un, un, un système qui permet de, de scorer euh, ou d'avoir de, oui, de, une, une idée de la qualité d'un site. Euh, et donc, en utilisant nos données, de pouvoir dire à n'importe qui, voilà, vous allez sur ce site et vous allez pouvoir... Euh, avoir une idée de, cette, de la qualité de, du site que vous choisissez. Et donc, ça veut dire que tout un chacun pourra utiliser ces données pour avoir une information euh, utile euh, pour la personne en question et même pour pouvoir agir par la suite. Euh, je pense qu'on a bien... Euh, et moi, j'ai maintenant bien compris ce que Biodiversity euh, a fait. Je vais passer vers une, une deuxième section de notre show. Mm -hmm. Euh, de parler sur les passions the passions the heart um, est-ce que vous avez euh, apporté quelque chose euh, oui. aujourd'hui je suis curieux euh, oui. en oui. fait <laughs> euh, j'ai apporté deux choses oui. euh, la première c'est euh, voilà, ça c'est un vieil appareil photo mais euh, c'est la housse avec l'appareil dedans euh, mais donc ça c'est une première passion que, que j'ai donc c'est la, la photo pas nécessairement pour la technicité de la photo, tout ouais. ça que j'adore, mais plus pour le moment. Euh, J'ai beaucoup voyagé et ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'essayer de, de, de voir les choses sous un autre angle. Et je trouve que l'appareil photo, on voyage différemment en essayant de prendre des photos. En fait, on voit des moments différents. On voit... Et donc, je trouve que voilà, c'est une passion euh, pas pour euh, le côté artistique, mais plus pour le côté. Euh, voilà, j'aurais rêvé, rêvé en fait d'être photographe à la base. Euh, photographe d'aventure ou, de, ou de, de voilà animalier etc et donc euh, c'est un objet que je prends toujours sur moi euh, notamment en vacances euh... t'as quoi comme appareil je suis... alors là j'ai un, 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 ah, un, un vieux c'est un vieux Nikon euh, mais euh, voilà ça fait ça fait longtemps malheureusement que j'ai plus investi dans, ouais. dans des appareils euh, voilà c'est un, un vieil appareil mais nouveau c'est pas tellement l'aspect technique qui, euh, ouais. qui m'intéresse. Je trouve qu'on peut aujourd'hui, en plus avec des smartphones, aujourd'hui on peut faire ouais. des super photos. C'est plus le, le regard euh, derrière la photo quoi. et le, le moment en fait. Et quand bon, j'ai eu la chance de voyager beaucoup par exemple en Amérique du Sud, euh, je trouve qu'il y a des personnes ou en Afrique, il y, des, il y a des moments, il y a des personnes. Il y a des, et, et, et ça, d'avoir de, 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 un instantané comme ça de ce moment, je, je trouve que c'est assez, assez magique. Euh, ça pourrait se faire de manière virtuelle sans même avoir la photo, mais je trouve qu'on regarde les choses différemment avec un, un appareil photo. Quoi. Et tu, tu les imprimes euh, ch chez vous à la maison ou euh... Alors j'ai imprimé pas mal à l'époque quand j'en faisais beaucoup plus, euh, donc j'ai imprimé euh, en grand euh, tout à fait. Maintenant il n'y a plus la place parce que ma, ma, d'abord ma femme prend des, des, des photos aussi et euh, elles sont, je dirais, plus, plus belles et, que les miennes. Donc il euh, y a une petite compétition à ce niveau-là. Donc ah. euh, c'est les siennes qu'on a imprimées. Euh, mais je je les ai toujours, je les classe euh, et je vais régulièrement les revoir, euh, voilà pour me remémorer des moments et des ouais, tout à fait donc euh, je tu, les garde. Tu te souviens combien de photos t'as déjà pris Ouf. dans ton librairie? Euh... Oh, J'en ai des, je crois que c'est en, en... Plus, plus... des dizaines de milliers oui, je crois. Oui. Ouais, je... En fait c'est ça le problème c'est que il y a un moment où j'arrive même plus à les trier. Euh, donc, chaque fois que je pars en vacances, je pars avec mes disques durs en me disant je vais, je vais avoir le temps de les trier. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais ai, oui, il y en a des milliers. Cool. Euh, tu as amené quelque mais, chose alors, le, Oui. Le deuxième, c'est un simple maillot, un short. Ouais. Euh, et, et Parce que ça définit un peu qui, qui je suis. Euh, donc, moi, j'ai vécu aux États-Unis euh, petit. Euh, j'ai toujours porté le short avec les chaussettes euh, au niveau du genou euh, quand j'étais gamin, et, euh, et je crois que ça m'a un peu défini. Et donc quand j'ai été avocat, de devoir mettre la cravate, le costume, <laughs> et puis par la suite les autres professions que j'ai eues, ça a été un déclencheur aussi pour devenir entrepreneur. Et en fait, un, un des une, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est que je vais pouvoir m'habiller comme je veux. Je vais pouvoir venir en short au, au bureau. Et il y a d'ailleurs un bouquin d'un Let my people go surfing, d'un de, de, CEO connu, je ne sais plus lequel maintenant, sur l'impact. Et, voilà. et en fait, euh, voilà, ça, c'est une première chose, c'est que ça, me, ça, ça a été un vecteur, en fait, de me dire j'ai besoin de cette liberté d'être qui je suis et donc de devenir un entrepreneur et pas d'être dans une case d'avocat ou autre chose. Et la deuxième chose, c'est que ça, ça, c'est lié aussi au côté euh, de la mer, de, de, de l'environnement. Et euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore être l'eau, euh, que ce soit pour faire de la voile ou d'autres types de sports euh, marins. Et, et je trouve que ce sentiment de liberté euh, sur l'eau et de manière générale en nature est, est très important. Tu as quand même euh, voyagé beaucoup, j'ai compris. Ouais, j ai, j ai, oui, j'ai beaucoup voyagé. Et tu as déjà, euh, tu as d'abord vécu aux États-Unis. Oui, j'ai vécu 5 ans, 6 ans aux États-Unis euh, quand j'étais euh, petit, hein, de 3 à 10 ans plus ou moins. Euh, parce que mon, mon père avait été lancer une entreprise là-bas aux États-Unis. Et l'expérience était comment euh, C'était dans quelle ville Alors d'abord, on a vécu euh, cinq ans au Tennessee, euh, donc ça c'est un peu in the middle of nowhere, mais euh, magnifique expérience. Euh, déjà euh, euh, au niveau familial, parce qu'on se retrouve euh, au début juste euh, en famille, euh, on était euh, en dehors de toute grande ville, donc euh, il faut quand même euh, faire sa place, donc au début on était fort en famille, et puis, euh, et puis voilà, c'est une autre culture, c'est un tout autre monde, hein, quelque part, surtout Nashville, euh, enfin ou Tennessee et tout ce coin-là, euh, c'est pas New York, c'est pas San Francisco, c'est vraiment différent, donc cette ouverture à une autre culture euh, était, était passionnante. Et puis on a fait un an euh, dans le coin de San Francisco aussi, où là c'est encore toute autre chose, mais il y a tout ce côté américain où tout est plus grand, euh, le, le sport est partout. Euh, tout, donc, euh, voilà, moi, j'aime bien le, la vie américaine sur certains aspects. Euh, M'a toujours un peu, un peu fasciné. Euh, donc, c'était une belle expérience. Et puis, de, voilà, on est allé là pour mon père qui lançait une entreprise. Euh, et ça a été sans doute un, un des facteurs qui fait que j'ai voulu entreprendre par la suite. Qu'est-ce qui t'a qu triggeré pour. Euh... Pour aimer un petit peu l'environnement. Parce que tu, tu dis, euh, tu as vécu d'abord aux États-Unis. Est-ce euh, que là-bas, tu as appris euh, d'aimer la nature Ou qu'est-ce qui s'est passé euh? je, je, Alors, je pense que ça fait partie. Euh, J'ai encore aujourd'hui des odeurs, par exemple, de, des lieux où on habitait. Euh, et donc euh, de cette humidité euh, liée à la nature et tout. Donc et c'est quand même des grands espaces, euh, les jardins, tout ça. Donc il y a certainement ce, ce besoin d'espace et, et de, de liberté provient sûrement de là. Mais je, le, le moment où vraiment je me suis dit j'ai envie de d'aider ma vie professionnelle à ça, euh, c'est dans le cadre de, de voyages backpack, euh, surtout en Amérique du mmh. Sud. Ou euh, en 2009, je suis parti durant un an. Euh, et donc, j'ai fait plus ou moins toute l'Amérique du Sud. Et il y a une phrase qui est très souvent revenue c'est On n'avait jamais vu ça en parlant d'événements euh, naturels euh, ou, ou du climat et des choses du genre. Et des événements qui impactaient fortement des communautés locales. Euh, par exemple, des glaciers euh, qui n'avaient plus d'eau de, et donc qui impactaient euh, toutes des communautés euh, dans les mmh. montagnes en Bolivie, etc. Et je me suis dit, en Europe, on en parle assez peu et on n'est on est, on est pas au courant, en fait, à quel point les gens localement sont impactés par, euh, par ces, ces événements. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ben voilà, ça, ça a du sens. Ça faisait un petit temps que je cherchais du sens dans ma vie professionnelle. Euh, et je me suis dit, voilà, il faut, il faut se lancer là-dedans. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Kim, qui a, qui a été le, ouais. le facteur en plus. Quoi. Et est-ce que tu as eu des, des exemples euh, dans ta famille euh... J'avais aussi compris d'un ancien interview euh, que tu as fait que c'était ton grand-père qui, euh, 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 qui était un, un, ap un apicole. Ouais. Un apiculteur. Hein, ouais, Et, oui, ouais, c'est vrai. Oui, un, mon grand-père maternel euh, était apiculteur, il, euh, euh, il avait son potager, euh, il était euh, euh, très en lien avec la nature. Donc, il y a peut-être un lien avec ça aussi. Même s'il m'a pas appris l'apiculture, ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on fait des liens avec son passé, qui sont pas nécessairement évidents, mais tous ces petits ingrédients sont sans doute, ils sont sans doute pour quelque chose. Qu'est-ce qui t'aime C'est qui ton exemple comme entrepreneur quand tu dans le monde ça c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas évident euh, comme entrepreneur bah, je, je, je connais pas mais j'aime bien par exemple euh, et c'est peut-être idéalisé hein, mais euh, la philosophie de, de Patagonia par exemple mmh, euh, du mmh. CEO de Patagonia dont j'avais lu euh, un livre qui me qui, ouais, qui me paraissait intéressant sur un ensemble de de choses euh, il y a évidemment des entrepreneurs plus à impact, euh, comme euh, Mohamed Younous ou des choses comme ça, qui, qui évidemment euh, ont, ont, ont vraiment révolutionné des choses et qui sont, euh, qui sont passionnants à écouter. Euh, je, je, pour avoir lu un peu sur Steve Jobs, je trouve que c'était autant un personnage qui avait l'air un peu odieux, euh, autant je trouve qu'il avait un génie euh, et qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher dans, dans ce qu'il faisait aussi. Euh, donc il y a un ensemble d'entrepreneurs. J'ai lu. Pas mal de livres sur euh, des entrepreneurs différents et qui, qui m'inspirent euh, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être négativement ou positivement. Euh, et puis surtout, euh, je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est tous les entrepreneurs que je côtoie euh, régulièrement euh, dans, ouais. dans, dans le milieu des startups. Ouais. Euh, imagine, donc, euh, Patagonia, c'est quand même un, un bon exemple, non Parce que comment est-ce que, comme entreprise, tu vas balancer de, de gagner euh, ton argent vis-à-vis d'avoir un impact, soit sur l'environnement, soit social Est-ce que parfois tu, 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 tu vives cette balance et tu dois parfois choisir entre les deux ou Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dû choisir. Euh, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. On a un modèle qui, qui intègre quand même aussi bien le financier que l'impact. Donc, plus nos projets ont de l'impact, plus on a des finances. Donc, quelque part, c'est fortement intégré, Donc ce qui, ce qui facilite, cette enfin, on a, on a moins cette problématique-là. C'est arrivé que des entreprises nous demandent de faire un projet pour des raisons qu'on n'a pas trouvées euh, suffisamment impactantes. Et donc, ça, c'est des projets qu'on a refusés. Euh, et, et voilà, l'ADN de l'entreprise, c'est l'impact. Les gens viennent travailler chez nous pour l'impact. On est parfois challengé hein, même par des gens qui, qui viennent dans la boîte en disant mais attendez est-ce que vous allez travailler avec telle entreprise euh, qui a fait des mauvaises choses par le passé donc y a, y a, en permanence il y a une remise en question par rapport à, à ces choses là euh, mais l'impact prime euh, donc si un jour on doit choisir entre faire beaucoup d'argent euh, mais mettre l'impact de côté eh bien euh, on n'ira pas dans cette direction là mmh, mmh. Um... Comment est-ce que tu as vécu la période euh, Covid-19, soit privée et soit aussi professionnelle Oui, c'est une drôle de période, euh, avec beaucoup de bonnes choses. D'abord, euh, je trouve qu'au niveau privé, euh, euh, donc moi j'ai deux, deux enfants euh, de bas âge, donc un an et demi et trois ans et demi. Euh, et euh, ces dernières années, j'avoue que j'ai pas toujours été très présent. Alors parfois on est présent, c'est le côté aussi le problème des entrepreneurs, je crois, c'est qu'on est présent physiquement mais pas toujours mentalement. Mmh. Et donc là j'ai pu en fait passer plus de temps avec eux euh, et être totalement présent. Euh, et donc ça c'était euh, très chouette. Et puis après il y a tout le l'impact sur l'entreprise. Euh, donc nous on a, on a décidé de parce que tout ce qui était vente était figé, donc euh, voilà, on s'est dit durant 3, 4, 5 mois, tout va être figé, tous les salons ont été annulés, etc. Donc on s'est dit, on va très vite réagir et aller dans l'innovation. Et donc on a développé, on a déposé plusieurs projets d'innovation qui m'ont parfois, euh, voilà, demandé de travailler énormément. Euh, donc ça, c'était le côté un peu plus compliqué, c'est qu'il fallait très vite réagir avec une équipe euh, limitée. Et donc, euh, voilà, la charge de travail a été par moments euh, assez intense. Euh, mais je trouve que c est, c est, c est, c est, ça a été un moment aussi où il a fallu se réinventer. Euh, moi, j'ai adoré euh, tous les calls que j'ai eus où les gens euh, disaient, euh, ce que j'adore, c'est le silence. Euh, donc, les, les gens reconnaissaient en fait que le silence leur faisait du bien. Euh, ou euh, le fait de pouvoir s'arrêter, ou la nature. Était... Et donc, je, je pense que comme pour beaucoup de gens, euh, ça a été un retour aux sources et, et à des besoins plus primaires. Quoi. Et de se rendre compte que d'amener les enfants à gauche, à droite, de bouger tous les week-ends et tout, c'est peut-être pas ce dont, ce dont on a besoin. Mais ce dont on a besoin, c'est des moments euh, plus riches, euh, peut-être plus calmes, euh, voilà, plus simples, euh, et de revenir aux sources. Et donc, ça, j'ai trouvé euh, que c'était passionnant comme moment, avec euh, tous les, les côtés négatifs qu'il y, qu y a à côté. Quoi. Et tu parfois planifie des, des, des moments de réflexion dans la vie. Par, par exemple, chaque, chaque année, tu fais un, un, mm. une retraite pour réfléchir au niveau de stratégie professionnelle, qu'est-ce que je veux faire au niveau de privé. Est -ce, est -ce, est -ce, comment est-ce que tu gères ça Alors, j'avais promis à ma femme, enfin, j'avais même demandé à ma femme, euh, de pouvoir prendre une semaine seule chaque année, donc de pouvoir euh, voyager ou prendre ce moment seul, parce que c'était très important pour moi. Il se fait que là, avec les enfants, c'est plus compliqué, mais j'essaye quand même d'avoir de, des moments, enfin c'est très important pour moi d'avoir ces moments seuls, soit d'aller marcher euh, en forêt ou des, des routes, euh, genre entre ici, euh, euh, là où je vis, et où, où, où on est aujourd'hui, ben j'ai pris un peu de temps. J'adore ces moments euh, de transport où on peut... S'arrêter, ne pas penser ou, ou justement réfléchir à des choses stratégiques. Euh, donc j'essaye vraiment, je crois que c'est primordial d'avoir ces moments d'arrêt. Euh, surtout euh, voilà, quand on a énormément de choses à côté. Et au niveau professionnel, on le fait même avec toute l'équipe. Euh, donc deux fois par an, on fait ce qu'on appelle des mises au vert. Euh, et, et généralement, il y en a une de deux jours, deux jours et demi. Et l'autre d'un jour, un jour et demi. Où euh, on, on prend le temps de tous ensemble se repositionner au niveau stratégique et c'est les meilleurs moments en fait, euh, de l'entreprise parce qu'il y, y a le côté fun. Mais il y a aussi le fait que tout le monde adhère à la stratégie. Tout le monde participe à cette stratégie. Euh, et je, voilà, je crois que c'est important de s'arrêter par moment mm -hmm. um, um, une, une dernière chose ce que je veux parler, sur laquelle je veux bien parler aujourd'hui, c'est le soul soul. Um, on a touché ça un petit peu. Mm -hmm. um, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous en fait dans la vie en, en, en général ah. ou quelles sont les valeurs que tu veux euh, euh, partager avec les enfants ouais. avec votre enfant par exemple ouais. euh, le fait d'être juste euh, je voilà, je trouve euh, l'intégrité la justesse euh, on peut se tromper on peut euh, mais, mais il faut rester cohérent et être juste euh, donc ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de d'inculquer euh, le respect euh, des autres, de la nature et, et, et du monde de manière générale et de soi. Euh, je crois que ça c'est très important aussi et on l'oublie euh, notamment le respect de soi parfois on l'oublie aussi. Euh, donc ça c'est une valeur que j'essaie d'inculquer. Et puis je voilà je crois que le, le plaisir euh, à tout niveau quoi. Euh, et, et ça, ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh, donc le plaisir d'être en famille le plaisir mmh. de travailler euh, et moi longuement en fait j'ai voilà, vécu notamment une vie professionnelle avec beaucoup de choses intéressantes et des rencontres passionnantes mais pas un réel plaisir et donc euh, ça je me questionne souvent sur ce plaisir euh, je trouve que ça, je sais pas si c'est une valeur en tant que telle mais ça, ça doit faire partie de la vie de tous ouais. même euh, avec le lancement de, avec euh... Biodiversity, parce qu'avant tu étais euh, un, un avocat. Oui. Tu as, as aimé euh, ça au niveau de carrière ou. Être avocat Oui. Euh, moi je suis resté 7 ans quand même, donc. Euh, ouais. Mais voilà, j'ai ai aimé parce que c'est très euh, challenging, c'est intellectuellement intéressant, on rencontre des gens très intéressants, euh, c'est prenant. Euh, mais en fait, j'étais un peu dans une, euh, dans une prison dorée euh, où okay, il y a des chouettes perspectives de carrière, il y a, il y a financièrement, euh, c'est assez agréable, etc. Mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas foncièrement heureux. Et donc, euh, quand, quand je donne une conférence, je monte toujours un, un slide qui, qui explique euh, ce qu'un recruteur m'a dit un jour. Il m'a dit, bah, tu étais au sommet de l'échelle euh, en tant qu'avocat euh, droit des sociétés, puis tu as fait de l'immobilier, tu es un peu descendu, tu as fait du coaching, et maintenant, tu travailles avec les abeilles, tu es tout en bas de l'échelle. Et je lui ai dit, oui, pff, si vous voulez, euh, mais si vous l'inversez en termes de, de, de bonheur, euh, voilà, j'étais en bas de l'échelle et puis petit à petit, je suis monté. Et c'est euh, et, et vraiment ça. Il y a un moment où, euh, en fait, se libérer un peu du financier permet parfois de s'engager dans quelque chose qui, est, voilà, qui vous rend plus heureux. Quoi. Et donc, c'est tout aussi riche euh, et intéressant. Quoi. Tu penses parfois euh, des, des jobs. Euh dans des entreprises, ce sont des jobs avec euh, golden cage. Hein, euh, ouais. C'est ça ce que ouais. je, je souvent en fait je trouve. Euh, je trouve que l'argent et, et c'est voilà c'est normal hein, parce que tout le monde a ses vies, tout le monde fait ses choix et, et on a tous nos obligations. Mais c'est vrai que je pense que la contrainte financière euh, et, et quelque part le, la pression sociale aussi de dire ouais, il faut réussir et, il faut monter les échelons, il faut devenir directeur, tout ça, fait que on oublie en fait qui on est. Euh, et je parlais du respect de soi et de se dire, bah, tiens, est-ce que moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Ou est-ce qu'il faut pas se dire, bah, non, moi j'ai envie de, de m'engager dans quelque chose qui me passionne. Et il est fort probable en fait que le reste suivra. Mais d'abord, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie et que, quelle est la passion euh, qu'on qu recherche, quoi. Ça, ça t'a donné un. un... Une, une type de anxiety dans laquelle euh, pendant ton carrière comme avocat, c'est à dire tiens je dois changer de job ouais. je, dois, euh, je dois changer de job mais je ne le trouve pas peut-être que je vais faire du backpacking euh, ouais. et peut-être je vais le trouver euh, c'était quoi ton type d'expérience de, que tu as eu et, et voilà ouais ça a été dix ans de dix ouais, ans hein, en tout avant de vraiment faire le... cette bascule dix ans de questionnement quasi journalier quoi, ouais. en me disant je, je je suis pas mal il y a plein d'avantages mais en sentant que c'était pas moi en sentant que c'était qu'il y avait autre chose et donc et je savais que quelque part je voulais entreprendre mais je me suis toujours dit est-ce qu est que j'ai l'expérience suffisante est-ce que j'aurai les capacités à tout niveau etc. Et, et donc ça m'a pris dix ans aussi et puis il y a un moment où on commence à, à mieux gagner sa vie et on se dit ben est-ce qu'on a envie de lâcher tout ça et donc ça, ça m'a pris encore euh, quelques temps pour à un moment dire non stop à tout. Et en fait, en, en deux semaines de temps, j'ai euh, démissionné de mon emploi de l'époque. J'ai pris mon backpack. Et je me suis dit moi, il est c'est obligatoire que maintenant je parte. Euh, voilà, et je suis parti sans délai en me disant voilà, je reviendrai peut-être dans trois mois ou plus tard. Et ça m'a pris euh, plus de neuf mois pour voilà me dire savoir ce que je voulais faire. Et je suis revenu après un an et puis euh, et puis là, c'était beaucoup plus clair. Euh, quand tu parles pour des gens euh, ou peut-être des jeunes, c'est euh, -ce quoi le type de recommandation que tu fais Par exemple, des personnes qui sont 18 ans euh... Alors je leur dis, c'est difficile à 18 ans, euh, mais c'est d'essayer dans la mesure du possible de suivre ses rêves. Euh, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mon, mon rêve, c'était de, de devenir photographe, animalier et tout ça. Et puis mon mmh. père, euh, mon père m'a amené un jour chez un photographe qui prenait des photos de lui euh, en entreprise. Et il m'a dit voilà euh, moi toute la journée je prends des photos. Il a montré la photo de mon père. Il m'a dit une fois j'ai pris une photo un peu euh, super. C'était une photo de Claudia Schiffer, ce qui m'intéressait pas trop. Il me dit mais le métier est très complexe, etc. Et donc je me suis dit ouf, ça, prendre des photos de mon père euh, ça va pas le faire. Donc j'ai voilà et et je, je pense que d'avoir cette maturité à 18 ans, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'irait pas rencontrer des gens Et je crois que ça c'est le plus important de, de ce que moi j'ai appris dans, dans ma carrière. Euh, L'expertise, tous ces aspects-là, c'est important, mais d'être curieux et de rencontrer des gens et de créer son réseau. Euh, et quand on cherche un emploi, euh, envoyer un CV, pff, oui, alors on a beaucoup de chance si euh, si la réponse est positive. Euh, mais je crois qu'il faut d'abord faire la démarche d'aller rencontrer les gens. Et à travers ces démarches, on se dit, bah, tiens, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse moins. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on va trouver l'emploi qui, euh, qui, qui va te, te plaire. Quoi. Um, au niveau de croissance, um, de biodiversity, c'est quoi le type de feeling que tu as, as avec ça Est-ce que ça te fait fier ou tu ou, ou as, t as une, une émotion qui est. Euh, double, c'est-à-dire fier mais peut-être aussi un petit peu encore nerveuse parce que il y a quand même des challenges euh. Oui alors il euh, y, y, y a certainement une fierté euh, donc il y a 6, 7, 8 ans euh, quand on a commencé j'aurais jamais cru que euh, on en ferait vraiment un, une entreprise avec euh, ouais, euh, 15 personnes qui travaillent et, et une croissance et dans différents pays donc ça c'est une grande fierté après, je crois comme tout entrepreneur, euh, il y a les, les craintes, euh, donc on n'est jamais sûr de rien, euh, il, y a les, il y a les ambitions, nous on se rend compte qu'on a une déception, c'est au niveau de l'impact, on voulait aller beaucoup plus loin, euh, et donc on se rend compte que c'est complexe. Et donc ça, en fait, ça rajoute ce côté émotionnel de se dire, OK, tout le, la, la boîte fonctionne bien, il y a une croissance chaque année, etc. Mais en termes d'impact, on n'y est pas encore. Et, et, et en fait, ça, ça nous, euh, parfois mon associé et moi, ça nous, ouais, ça nous pèse un peu. Donc euh, c'est pour ça que ça nous pèse, mais en même temps, ça nous rebooste euh, souvent pour se dire, allez, il faut aller encore plus loin, il faut être encore plus innovant et il faut, euh, il faut continuer. Quoi. Donc le sentiment que tu as eu euh, quand, dans, dans les deux semaines que tu as quitté euh, et lancé ton backpack, et après tu es revenu, tu as rencontré Kim, le, le sentiment, à ce moment-là, c'était « oui, je l'ai trouvé, ouais, euh, à, à 105% ouais. » et est-ce que c'était jusqu'à maintenant, ça reste à ce, moment, à ce niveau ou est-ce que ça revient à un niveau de base euh... Alors non, il sous la, sous la, y, a, y a deux aspects là, il y a la rencontre avec Kim mmh. euh, ou voilà, c'est une rencontre, c'est génial d'avoir un associé avec qui on s'entend super bien il y a, on peut se dire les choses, euh, il, y a, il peut y avoir des petites tensions, mais c'est très vite euh, communiqué, on en parle, et, et, voilà, et, on, et on, on, on va dans la même direction. Et, tout. et donc ça, c'est un plaisir, même au-delà du travail, euh, de, de se voir et de, de discuter d'un ensemble de choses. Euh, voilà. Donc ça, je dirais que ce plaisir-là n'a fait que, que croître, euh, même s'il y a déjà eu une sorte de coup de foudre professionnel euh, rapidement, je crois que euh, ça s'est bonifié. Après, il y a le... Il y a l'entreprise et le projet en lui-même et ça, euh, il y a des hauts et des bas. Euh, il y a des moments où, euh, voilà, il y a des chouettes choses qui se passent. On, on a un chouette contrat et là on est euh, surmotivé. Et puis il y a des moments où on se dit, euh, bah, moi je suis en train de sacrifier des moments de vie privée, euh, les week-ends, les soirs, les et où en fait ça devient même trop dur parfois. Mmh. Euh, donc 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 c'est euh, il faut trouver l'équilibre, hein. c'est pas pas toujours facile. Ouais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des contrats que lesquels tu déjà dans laquelle, sur laquelle es déjà super euh, contente de les gagner Oui, bah oui, bah chaque, part, chaque contrat, on le, on le célèbre quand même parce que allez, c'est pas le je dirais que le, le, le sujet sur lequel on est, ce n'est pas le premier aujourd'hui qu'une entreprise ou que, que même une entité mm -hmm. publique va euh, va prendre en main et va dans lequel ils vont investir. Donc chaque contrat pour nous est une, une chouette victoire quoi. Après il y en a, il y en a où on se dit euh, c'est c'est des, des, des groupes où il y a un potentiel euh, génial où, où il y a, et où euh, voilà il y a un visionnaire derrière et on se dit là il y a vraiment moyen de faire quelque chose de chouette. Donc euh, et, et il y en a plusieurs et parfois c'est pas des contrats euh, de prestation, parfois c'est des partenariats ou d'autres choses qui sont euh, voilà qui sont qui sont chouettes à faire aussi. Je veux, je veux te montrer quelque chose donc euh, j'ai lu quelques nouvelles sur ton sur votre site hein. oui. euh, web au niveau de le lien entre le covid 19 et le, la biodiversité oui. donc euh, d'un point scientifique je veux bien comprendre s'il y a, comment ça fonctionne c'est quoi le lien donc linking human health. To biodiversity. Oui. Alors, euh, bon, je vais, je vais l'expliquer en mes termes, donc ce ne sera pas des termes scientifiques, mais c'est peut-être pas plus mal. Euh, je pense que plus on détruit les habitats, euh, donc les lieux où les animaux vivent, euh, plus on, et plus il euh, y a d'urbanisation vers de l'habitat animalier, plus on rentre en contact avec cet habitat. Or, cet habitat, en fait, à sa résilience, son écosystème, euh, ses tampons, etc. Et donc, euh, ces virus, quand on regarde en fait le nombre de virus, je connais plus les chiffres, etc. Mais mmh. j'étais étonné moi de voir le nombre de virus en fait qui proviennent d'animaux, euh, des virus humains qui proviennent d'animaux. Et plus on est en contact avec cet habitat auquel nous on pas la résistance, pour lequel nous on n'a pas la résistance, mais plus on se met à risque. Et donc plus on détruit ces habitats, plus le contact euh, est important plus nous on est à risque euh, et c'est le cas avec les chauves-souris qui n'ont plus d'habitat et donc ils vont venir plutôt euh, chercher euh, un habitat dans le milieu urbain et, et donc voilà les contacts se font et on, on crée ce risque euh, et donc et, et voilà nous on est on n'est pas eux sont pas faits pour vivre dans notre écosystème nécessairement et, et vice versa je pense et donc euh, voilà je crois que c'est ça l'explication le, euh, et euh, donc il y a il y a parce que les personnes ou, ou le, les personnes humaines, ils sont plus proches de ce type d'animaux que ouais. le risque qu'il y ait un virus qui se transmet vers une personne humaine, c'est plus, euh, plus grand. Voilà, euh, non seulement ils sont proches, mais en plus ils commencent à s'en nourrir. Euh, oui. Ah, oui. Et, donc, euh, et puis ouais. ça peut être un animal qui transmet un autre animal dont on va se nourrir nous. Et, et voilà, donc c'est vraiment cette proximité à tout niveau. Euh, qui euh, voilà qui, qui fait qu'il y a un risque croissant euh, sur, sur notre santé oui tout à fait euh, et au delà de ça euh, le déclin de la biodiversité a un impact sur notre santé parce que la, la médecine dépend de la biodiversité notre alimentation dépend de la biodiversité donc euh, et, et un ensemble d'autres éléments ce qu'on qu porte ce qu euh, notre économie dépend de la biodiversité donc en fait on s'en rend pas compte mais tout est lié à cette biodiversité donc le déclin de la biodiversité euh, il a un impact social, environnemental, évidemment, euh, euh, économique, euh, santé, donc il est, il est, il est complexe. Est-ce que euh, tu attends quelque chose de la gouvernement ou de la, des gouvernements ici en Belgique que... euh, pff, je, je fais une réponse. Euh, je n'attends plus grand-chose des gouvernements, je, je, je dois, je dois l'avouer. Euh, J'espère. J'espère vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Je trouve que les membres du gouvernement devraient peut-être aller faire un peu de backpack à travers le monde pour voir vraiment la réalité. Qu'est-ce que tu dis Que les différents membres de gouvernement devraient peut-être voyager un peu backpack pour aller voir l'impact sur des civilisations qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà. Mais il y a une certaine prise de conscience quand on voit le Green Deal au niveau européen. Euh, qui, qui comprend des choses au niveau de l'agriculture, de la biodiversité. De... Ce qu'on a, qu a très souvent vu, c'est qu'il y a des sortes de packages comme ça, euh, politiques, un peu marketing, et puis que la mise en place euh, n'est pas, pas réelle ou qu'elle n'est elle est, elle est pas euh, juste ou qu'elle n'est pas aussi impactante qu'elle ne devrait l'être. Euh, et puis j'ai plutôt tendance à dire, bah, tant mieux si le gouvernement met en place des choses. Mais je crois qu'en premier lieu, c'est à nous tous, aux entreprises, aux citoyens, c'est eux qui peuvent faire la différence. Euh, les gouvernements, en fait, le problème d'un gouvernement, c'est qu'il a une durée assez courte pour mmh. avoir des résultats. Or, des transformations sur ce genre de sujet, euh, ça prend du temps. Donc, euh, quand vous mettez en place des choses, même des aménagements en termes de biodiversité, vous n'allez pas voir le résultat euh, l'année d'après. Donc, ça prend un certain temps. Et donc, on se rend compte que le terme est trop court parfois pour qu'il y ait un vrai engagement politique. Donc je crois que c'est une des problématiques. Euh, voilà. Mais quand même, le Green Deal, c'est quand même peut-être un changement oui. euh, qui donne aussi une opportunité aux entreprises euh, pour s'aligner avec euh, cet objectif. Hein. Oui, je pense. Moi, j'ai de l'espoir dans ce, ce Green Deal. Euh, je, je trouve qu'il touche des points dont on a très peu parlé avant. Euh, on parle beaucoup de, de CO2, d'énergie, mais y a un peu, la biodiversité, c'est le parent pauvre de, de l'environnement pour le moment. Euh, et cette année, le sujet commence à être de plus en plus mis sous la table. Euh, et donc, on voit même des, des pays qui sont, euh, je dirais, un peu plus précurseurs que d'autres. En France, il euh, y a pas mal de choses qui se passent. Euh, donc, on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, à, et au, au niveau des politiques, mais de, des entreprises. C'est juste que. Je, l'expérience depuis qu'on est dans le milieu ça va plus vite avec des entreprises étonnamment hein, nous on s'est dit que ce sera plus simple mmh, avec mmh. des entités publiques mmh. et que c'était eux nos premiers clients en réalité ça va plus vite avec des entreprises mais l'impact au final il devra venir euh, aussi des gouvernements et donc il faut il faut tous pousser euh, pousser vers là en tant que citoyens aussi quoi ouais. et quand on, on peut comparer euh, les États les États Unis ou l'Afrique ou Amérique du Sud euh, ou l'Asie, en comparaison avec l'Europe, tu vois une différence entre le niveau l'engagement le, oui. euh, <laughs> au niveau de biodiversité, parce que tu viens de dire au niveau de l'Amérique du Sud justement que les personnes là ils sont déjà mieux conscients de ce, ce qui se passe. Oui. Alors, euh, alors je trouve que on, je vois beaucoup de très chouettes projets euh, qui viennent de pays plutôt en voie de développement, euh, l'Afrique, l'Amérique du Sud parce que je crois qu'ils sont confrontés aux problématiques, et quand on est confronté à un problème, on trouve plus de solutions. Et donc, je trouve les solutions, au moins les plus intéressantes que j'ai vues dans le secteur de l'économie circulaire, tout ça, c'est dans ces pays-là. Après, au niveau euh, des gouvernements, c'est autre chose. Euh, quand on voit déjà la différence entre les États-Unis, encore plus aujourd'hui, et l'Europe, il y a quand mmh. même une différence importante, notamment au niveau des autorisations euh, pesticides, quand on va aux États-Unis. On se rend compte que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et quand on va parler ici de réduction de pesticides, là-bas ils nous disent bah :« Bon, non, nous, euh, on y va, on y va, on y va. Euh, » Donc il n'y a pas, pas euh, il voilà, pas la même conscience. Ils sont aux États-Unis, ils le disent eux-mêmes. Hein, les gens avec qui on travaille là, ils disent on :« est, On est en retard par rapport à l'Europe. Euh, » Bon voilà, il faudra voir en novembre si ça change. Euh, mais donc l'Europe est, 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 est plutôt avancée, je trouve, par rapport à d'autres continents. Euh, mais c'est pas assez. Et il y a le United, Na United Nations Sustainability Development Goals. Euh, la biodiversité, ça s'inscrit aussi dans cet euh, objectif ah Oui, tout à fait, hein. à différents niveaux en fait. Hein. Euh, je crois que nous, on touche vraiment, avec nos activités, on touche au moins 6 ou 7 de ces, de ces goals. Euh, donc de nouveau, en disant que la biodiversité peut créer de la valeur. Et on peut par exemple avoir de la valeur sur un bâtiment et donc mieux isoler un bâtiment, euh, avoir une meilleure récupération d'eau avec des techniques liées à la biodiversité. Euh, on Il y a l'Inde des Land, nature land euh, évidemment, il y a qualité de l'air, ce que nous on touche. Donc il y a mm -hmm. un ensemble de ces goals qui, est, qui sont liés à la biodiversité directement, et tout à fait. Intéressant. Euh, je vais checker parce que j'avais. Encore une, une, une question. Euh, quels sont les trois conseils que tu peux donner euh, aux jeunes qui veulent euh, devenir un entrepreneur social hmm. Alors, euh, bon, le premier le premier conseil c'est euh, voilà il faut avoir une démarche honnête, juste et euh, et, et passionnée parce que je, sincèrement, je, 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 c'est au moins aussi difficile que l'entrepreneuriat traditionnel et je, je pense parfois plus difficile quand je vois le taux de burn-out, par exemple, dans, dans ce qu'on appelle notamment les HK Fellows. Il est, il est très important. Donc, euh, il faut vraiment être passionné, il faut être déterminé. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je pense pas qu'il fasse le... Il, enfin, il faut s'associer euh, et trouver le bon associé. Pourquoi Parce que souvent, de ce que je vois c'est qu'il y a la personne qui a l'idée, la passion, euh, mais c'est pas nécessairement un manager. Et, et, euh, et donc quand on a une passion d'impact et tout, c'est lourd à porter. Quand on n'y arrive pas, quand... et donc il faut s'associer, je crois, avec quelqu'un qui... Euh, voilà, d'avoir le rêveur, d'avoir la personne plus conceptuelle, plus passionnée, et puis d'avoir l'autre personne tout aussi passionnée, mais, mais, mais plus terre-à-terre. Terre. Euh, et la troisième, le troisième conseil, c'est juste d'y aller. Euh, je dirais que... Même si ça ne marche pas, euh, bah, c'est une magnifique expérience et euh, on grandit à travers euh, ce genre d'expérience. Donc, euh, juste se lancer et puis voir où ça va. Je suis content que tu es venu ici. Mais merci à toi. Euh, euh, il y a quand même quelques livres ici que j'utilise maintenant pour... Euh, soutenir le... <laughs> Mais euh, tu as, as, as lu, tu connais ça euh, non, ça j'ai pas lu. Quand même un bon, un, un bon type ici. Als burgemeester ça voudrait dû aussi. Euh, je n'ai pas encore de livre de, de la biodiversité. Peut-être que je dois investir un petit peu. Euh, mais j'ai quand même euh, quelques abeilles dans le jardin. Ah, euh, tu as des... Tu as des... Bah ruches, non, je bah n'ai pas une... Comment ça s'appelle J'ai pas, pas une ruche. Euh, mais euh, je, je pense que je vais, allez, je vais essayer. Je suis quand même super inspiré par cette histoire. Et je, euh, on doit faire quelque chose euh, toi-même parce que sinon. Euh, on, on... ouais mais alors la, me la meilleure des choses à faire, parce que pour, pour avoir une ruche, il faut quand même être apiculteur, donc il faut un peu se former. Il ne faut oui, pas oui. croire que ce n'est pas si simple, euh, même si c'est passionnant. Euh, mais des choses faciles à faire, c'est de gérer son jardin de telle sorte à attirer ouais. plus de pollinisateurs. Euh, mettre un chouette au tel insecte euh, euh, notamment pour euh, pour expliquer aux enfants euh, tout ça donc ça c'est des gestes euh, assez simples à mettre en place euh, et qui, qui ont déjà de l'impact je dois le faire je suis obligé j'ai déjà euh, euh, pendant l'été il y avait le le herbe l'herbe que j'ai pas coupée ça ouais. c'est le minimum qu'on peut faire ouais, ouais c'est déjà bien c'est déjà oui. bien et, et en fait, quand on le fait, on voit qu'il y a plein de choses qui poussent que, de, dont on ne se doutait pas qu'on euh, qu okay. pourrait les retrouver dans le jardin. Quoi. Donc, euh... Oui, il y a quand même aussi des, des herbes qui, qui, qui ne doivent pas être là-bas. <laughs> Alors, il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Oui. Euh, mais dans les mauvaises herbes, en fait, il y a souvent des herbes qui sont très intéressantes. Oui. Euh, donc, il y a les, les espèces invasives, ça c'est plus embêtant. Donc, ça ah. c'est vraiment les espèces reconnues comme étant invasives. Euh, qui peuvent poser problème notamment pour euh, la biodiversité ou pour les insectes Mais les mauvaises herbes ce qu'on nous on appelle les mauvaises herbes c'est pas nécessairement des mauvaises ouais. herbes. Euh... C'est juste une classification artificielle en fait voilà et il faut euh... en fait euh, moi je laisse pousser euh, énormément dans le jardin euh, et je découvre euh, chaque année des nouvelles espèces et, euh, et voilà alors qu'avant de commencer toute cette histoire, j'avais tendance chez moi à tondre et euh, voilà, aujourd'hui chaque année ça change et, et c'est génial d'avoir un jardin qui évolue avec euh, des abeilles différentes, avec des papillons c'est euh, voilà, chouette pour les enfants aussi Et t'as plus de pouces euh, propres ou t as, t as juste coupé tout Non, je, je, je laisse euh, donc je, je coupe une partie euh, notamment pour que les enfants puissent jouer <laughs> euh, mais je laisse toujours des parties euh, un peu plus sauvages Oui et le plus possible. Ok, à nouveau, un grand merci pour venir, pour faire le trip aussi. mais Merci à toi, c'est chouette, belle expérience. Cool.